À Madagascar, plus de 70% des populations rurales vivent dans des conditions d'isolement liées à l'absence de voies de communication et à une topographie difficile. Le raccordement de ces populations au réseau électrique national géré par la société Jirama est irréaliste avant longtemps. En zone rurale, il existe d'importantes ressources de biomasse peu ou pas valorisées, comme les plantations d'eucalyptus de l'Est ou du Centre, certaines formations naturelles comme celle du jujubier à l'Ouest, les déchets de la transformation du bois ou encore les balles de riz. L'utilisation de ces biomasses comme combustible pour la production d'électricité rurale décentralisée est possible. Elle permet d'avoir un effet sur la réduction de la pauvreté, mais aussi le développement d'une filière locale d'approvisionnement. Aujourd'hui, moins de 4% des 1550 communes rurales à Madagascar ont un accès à l'électricité. Les projets GES4COM et BioEnergelec, avec l'appui de l'Union européenne, ont tous deux pour objectif d'installer respectivement une et cinq centrales thermoélectriques constituées d'ensembles foyers de combustion biomasse, chaudières, moteurs vapeur et génératrices 70 kW dans six communes rurales. Celles-ci ont été retenues en raison de leur situation contrastée en matière de type de biomasse disponible, de demande en électricité domestique et artisanale et de disponibilité en eau. Did dans la région Alochamangur, Manerinerin dans la région Buen, Befet et Mahadich dans la région Otmasiach et Ifarans dans la région Anous ont été retenus par l'ADER, l'agence malgache de développement de l'électrification rurale. La commune d'Andang, appuyée par le projet GES4COM, est équipée depuis le 6 septembre 2012 de la première centrale thermoélectrique de Madagascar. Cet équipement, associant un ensemble foyer-chaudière et un moteur vapeur vertical, a été mis au point par PSI, une société du sud du Brésil. Nós tínhamos feito protótipo pequeno de 70 kW para atender as comunidades remotas da América do Sul. E como falei, a ideia se perdeu no tempo. Algum tempo depois, em contato com o CIRA, nós verificamos que era possível comercializar equipamentos desse tamanho. E o pessoal do CIRA, conversamos tecnicamente diversas vezes com eles e chegamos à conclusão que a quantidade de biomassas que existe disponível no mercado brasileiro, sul-americano, mundial, é possível ser reutilizado para gerar energia elétrica que pode, de alguma forma, mudar a vida das pessoas. Esse equipamento que nós dimensionamos, ele possui uma potência elétrica de 70 kW. E pode queimar qualquer tipo de biomassa disponível em Madagascar. Esse equipamento que você está vendo aqui, caldeira, fornalha, motor, chaminé, dutos, todos eles foram fabricados em Cachoeira. E nós criamos em Cachoeira uma banca de teste para fazer a verificação de potência, de consumo, enfim, de todas as variáveis funcionais do motor e da caldeira. Depois de testado, foi embarcado no navio, chegou em Madagascar, chegou aqui em Andango. Joel Moreira e eu estamos aqui hoje para verificar as condições de instalação, acionamento do equipamento, startup e teste. Quando nós chegamos em Andango, eu não vou dizer que seja para nossa surpresa, mas uma surpresa extremamente agradável. Encontramos equipamento muito bem montado pelo pessoal da BETC e da Bioner. E esse pessoal que fez a montagem vai ser responsável pelo funcionamento do equipamento, manutenção preventiva. E eu tenho convicção que esse pessoal, pela motivação que eles estão tendo hoje, pela vontade, pela gana que eles têm de ver o equipamento funcionando, eu não tenho nenhuma dúvida de que o equipamento vai funcionar em muito boas condições técnicas. Une unité de sillage et de séchage a été installée en face de la centrale thermoélectrique. Cédée contractuellement à la commune d'Andang et gérée par la société BETC, l'installation assure une charge minimale à la centrale et permet de disposer de déchets de sillage comme combustible. La conversion de la biomasse collectée localement en électricité par combustion dans des centrales à vapeur
permet de générer une électricité de petite puissance, mais significative au niveau d'une commune rurale. Une centrale peut être installée à moins d'un kilomètre d'un village et fonctionner 24 heures sur 24. L'électricité est produite au coût de 700 arias le kilowattheure, soit 24 centimes d'euros, coût compétitif par rapport aux autres sources d'énergie renouvelable, telles que les énergies hydrauliques, solaires ou éoliennes, et 10 fois plus faible qu'avec un groupe électrogène au gasoil. L'approvisionnement en biomasse ligneuse des centrales électriques est organisé par les communes à partir de schémas communaux d'approvisionnement et de plans simples de gestion qui garantissent une gestion forestière durable. Le besoin en bois de la centrale est évalué à 1 tonne par jour, soit 400 tonnes annuelles, ce qui représente, selon l'état initial des plantations d'eucalyptus, de l'ordre de 6 à 12 hectares par an. La surface totale dédiée à l'approvisionnement est comprise entre 30 et 60 hectares. Le gestionnaire de l'installation, acheteur de la biomasse, est titulaire des permis d'exploitation et garantit qu'aucun risque environnemental ou de déforestation n'est à craindre. Il peut aussi intervenir pour, par plantation, augmenter le potentiel ligneux. Cette électrification avec de la biomasse entraîne le développement de filières locales d'approvisionnement. La valeur ajoutée est redistribuée aux différents opérateurs qui interviennent dans ces filières, soit les propriétaires des parcelles, les bûcherons ou les transporteurs. Aritako moa izy fa mampetipety ny faripenako izy sady mba misy mba ho anazy zany izy ako raha mihoatra an'ilay saribô satria raha kôtikôtiko tsara zao raha eo amin'ilay saribô zany raha varotra dimy arivo dia eo amin'ilay nefa ny eo tsy mahazo ray gony ilay ray stira dia nefa ny kitay ity nefa ny lafiko ray alina ariary ny stira zany ao amin'ny commune ao amin'ny izay famatsiana ny herinaratsy atao amin'ny kominina an-taniko taloha ilay kininina taty aminay dia tsy nisy vokana hoe vola hiditra ho aminay izay manana hazo ala zany fa lasa kitay saribao nefa tsy dia nisy vola firiny hoe niditra ho aminay izay ny zavatra zany ka amin'izao fotoana izao izay dia faly raha tanteraka izao fanorenana jireto be fety eto izao satria everinay fa tena isy vola tokoa hiditra ho aminay tasaty zavatra ity ny tombontsoa hoan'ny rehetra raha ny aty aminay moa zany tsy mety tsy ahazo jiro mety be do satria misy eo amin'ny ray kilometre 500 fa ny tombontsoa ny rehetra zany dia ny fahazahoana vola amin'ny famatsiana ny amin'ny lalany fitetena ny ala io mandeha ary amin'ny centrale zay ngamba ny tena hoe hita fa tombontsoa ho an'ny vahoaka ny aty be do fa ny resaka jiro moa mety mbola lavitra ezaka ihany zay fa dia miankina amin'ny zava-misy eo ihany no hita eo na ho tonga aty ilay jiro na tsy ho tonga.
Les centrales peuvent aussi fonctionner grâce à des déchets agricoles, comme la balle de riz ou les chutes de sciage de la filière bois d'œuvre. Ces déchets, jusqu'alors quasi inutiles, deviennent une source de revenus pour les producteurs locaux. Des ateliers de formation ont été organisés dans les régions concernées par le projet Bioénergélec afin d'accompagner les différents acteurs dans l'organisation de la filière d'approvisionnement en biomasse des centrales électriques. L'administration a un service qui a été mis normes, qui a été technique, qui a été mis en place. Il y a des lames qui ont été mises en place, qui ont été mises en place, qui ont été mises en place. Il y a des lames qui ont été mises en place, qui ont été mises en commune. La production d'une énergie à un coût abordable et disponible toute la journée offre par ailleurs aux communautés locales l'accès à de nouvelles opportunités sociales et économiques. Carburant, gasoil, ramanotir, ça y ma pièce à groupe, ma essence, lampe, ça y a mis ces avatars, comme falsé, c'est la route que tout le monde tire, et toi, il m'y en a des failles, la mince, il y en a un fils, il tire ton dingue. Des falsé, la route que tout le monde tire, des boulamans en activité à faisant, ça y a, ou à tourner des familles courantes, mis tire. Nous l'avons un petit fils, il tire. Tsy afaka manao na inona na inona indrindra ny mpivarotra rehefa tonga amin'ny alina tokony ampiasa congélateur zany dia tsisy ny courant fa ny tombontsoa azo dia afaka miala voly afaka mijery télé indrindra fa ho avy ny mondial mety any amin'ny ray alina any angamba voanomboka ny jiro tsisy ny carburant lafo dia tsy afaka mijery an'izay tsonyzay. À l'occasion d'un atelier national, les maires des 5 communes concernées par le projet ont rédigé et signé une requête afin d'exprimer d'une seule voix aux partenaires institutionnels leur volonté d'accueillir des centrales thermoélectriques au sein de leur commune. Taïne qui a battanté et qui joue, dia itundra tumbchu le bewani ulla etu adidi. Manara karakanzayam lafni tu karena, dia ifamar demarwa ni machina de payera etu. J'ai tout ni eu de namniwa ni chaudière électrique ni fanrafetana. Mais ça va pas zany amni softon sozany. Teu amni fa inonyul fa ipeta katitzi uti dia yerasi kama hita ring wata ni karasana antenne namisi ni fumbola timseu lai tiroam so amni lalan group électrosen na nanu fanandring kam softon sozany. Hitantsika fa isandrahaka ny tetikasa maro samihafa na ny infrastructure zany mazava ho azy dia hitantsika fa hiabetsaka atolotra ho an'ny vahoaka zay ny toeram-panabiazana ihany koa dia efa mba afaka mampiasa ny fitaovana informatika zay misy amin'izao fotoana izao zay miazakazaka
izay everina fa magnamora sy magnatsara ny kalitaon'ny fampianarana ihany koa. Ireo rehetra rehetra ireo izany agnisan'ny tombontsoa everina fa ho azo avy amin'ny alalan'izay fisian'ny jiro izay a, na dia jiro amin'ny biomasy moa izany no ampiasaina eto. La centrale thermoélectrique de la commune d'Andang, installée par le projet GESFORCOM, est à présent fonctionnelle. Le projet BioEnergelec, profitant de l'expérience acquise, met tout en œuvre pour que 5 autres communes de Madagascar, aux environnements socio-économiques, écologiques et hydrologiques favorables, bénéficient elles aussi d'accès à l'électricité. Les populations le réclament avec force.